Je te donne la parole. Si tu aimes ce que je t'enseigne, et que tu viens à moi, tu dis, frère, moi j'ai besoin d'argent. Je te dirai, ah, tu crois que tu l'auras. Je ne prierai pas pour toi. Oui. Faire partout au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'arrêtes pas. Et quelle option que Dieu te donne là-dedans? Je dirais, tu veux l'argent, tu dois au oui. Tu vas recevoir l'argent. Je vais te parler. Mais vous, pourquoi est-ce que tu pries? Moi, je te parler. J'ai l'autorité, je vais l'exercer. Je ne vais pas prier. Quand on prie, on fait quoi? Oh! Non! Vous, non, Seigneur, je donc si je tombe là, avant que l'on se dise, c'est faux! L'onction existe! Je suis la maison du trésor! Je suis votre porte! Je suis votre maison du trésor! Baisez les pieds du Fils et je vous serai favorable! De l'enseignement concernant le matériel. Alors doucement.
besoin. Non, mais moi j'ai un problème, il faut qu'on prie. Vous avez dans votre place. Voilà. Troisièmement, l'enseignement concernant les prières. L'enseignement sur les baptêmes et la position des mains. L'enseignement sur les baptêmes. Il ne dit pas l'enseignement sur le baptême, mais les baptêmes. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême du feu. Quatrièmement, la position des mains. L'enseignement sur les postures. Il faut que tu le permettes parce que il a un temps.
pour toute chose. Il a le temps. Il sait où il va. Ah, vous les épreuves. Donc, il faut que j'ai encore le temps pour vous écrire sur ces choses. Vous qui, depuis longtemps, vous serez devenus des mêmes. Mais, c'est bien. C'est pas facile de vous parler de la divinité de Jésus-Christ. Parce que vous êtes devenus lents à entendre. Alléluia.